La prospérité spirituelle, spirituelle, spirituelle. Bonjour, 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 bonjour. Dieu le Seigneur, merci infiniment. Et matin, nous sommes capables encore une fois là, pour nous capables, gloire à Dieu, présenter une autre série d'études sur la chaîne. Ça encore, nous saluons tous bien-aimés, frères avec sœurs, nous, capoudez-nous un peu partout à travers le monde. Et nous qui nous aimons, nous apprécions, ou même qui toujours prend la peine pour capable garder vidéo nous yo, suivre enseignement que nous avons fait. Gloire à Dieu, nous merci et que mon Dieu bénisse, que mon Dieu capable de plus compréhension et intelligence. Alléluia. Et même, maintenant, nous capable de nous seul, donc, collaborateur nous, bien aimé frère nous, frère Napoléon, nous tient empêché. Gloire à Dieu, mais nous garantissons que nous allons dans l'autre vidéo que nous allons voir. Gloire à Dieu. Maintenant, nous remercions le Seigneur infiniment. En dépit de problèmes qui toujours saccagent la terre, épidémie qui toujours fait rage sur la terre, mais en dépit de tout, le Seigneur fait moi avec grâce, le Seigneur garde nous, le Seigneur protège nous, et ce n'est pas plus bon, nous plus bon parce que personne ne mais son grâce que le Seigneur fait nous, nous dit le Seigneur merci infiniment pour ça, pour grâce, les miséricordes, les compassions, l'amour infini. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons commencer une étude sur la parole de Dieu. Parce que nous regardons, nous voyons ce qui a passé aujourd'hui. Et nous-mêmes, qui vivons dans la communauté haïtienne, là, et pendant les derniers jours, nous gardons un bail qui fait la une de l'actualité. Et moi, avec vous, en tant que serviteur bon Dieu, servante bon Dieu, monde qui prétend le Seigneur, monde que la parole bon Dieu veut nous place, dans laquelle nous devons véritablement positionner nous dans le bagage qui a passé pendant ces derniers jours. Car nous croyons que le Seigneur Jésus pour l'Église, et il était versé sang pour l'Église. Ça. Et il dit, la va bâtir l'Église là, mais pas de séjour des morts, pas capable de craser l'Église là, pas capable de prévaloir, pas capable de blaguer discrédit sur l'Église là. L'Église là, la prêté Jean, il est ouvert porte dans le jour en côte, avec des hommes et des femmes sérieux qui ont servi mon Dieu. Et l'Église, ça, moi, bon, garantie, bien aimé, frère, moi, la fait chemin à travers le temps, à travers les âges. Jean-Christ le lié, et il vient pour fermer la porte à la dernière trompette, même Jean qui est ouvert. Et ça, l'Église dit que, porte, c'est vous des morts, pas qu'elle a été discrédit sur l'Église-là. Ça, l'Église-là, il y a l'hérité, ça, jusqu'à ce Christ, il va retourner. Voilà pourquoi c'est moi avec vous qui vous fait effort pour nous capables de part en dans l'Église Christ, la gloire à Dieu. Maintenant, nous allons parler de la prospérité spirituelle, la prospérité de l'âme. Et parce que vous connaissez aujourd'hui, il y a l'évangile de prospérité qui envahit la terre. Les nouvelles Bibles, nous, dans 3 Jean, verset 1 à 4, nous voyons qui ça, et l'apôtre là, t'es écrit avec le bien-aimé Gaïrus. C'est dans 3 Jean, verset, la troisième épître de Jean, verset 1 à 4. Lisez l'ancien à Gaïrus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière
dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, c'est ça que le bien-aimé apôtre Frère Jean t'a écrit avec un autre bien-aimé qui t'a marché dans le même enseignement avec lui, qui t'a marché dans la vérité. A remarqué, dans quatre versets, Jean répétait le mot vérité presque quatre fois. Parce que la vérité, pour les apôtres de Christ et pour le Seigneur Jésus, sont bagailles qui sont fondamentales. Et pas oublier, à l'époque que Jean t'a vivre, t'es gagné l'évangile de vérité, mais t'es aussi gagné monde qui est en dehors de l'évangile de la vérité. Gloire à Dieu. Alors, Jean dit avec le bien-aimé Garius, lui souhaite-t-il et pour le capable prospérer à tous égards et soit en bonne santé, même Jean dit, ouais, n'amène à prospérer. C'est un constat que Jean fait. Lui, ouais, nomme le bien-aimé Garius, lui en prospérité. Et vous voulez bien-aimé, c'est ça qui est important pour moi avec pour matin. Jean a prêché l'idée de Yahweh, ce n'est pas ça qui est lié, mes bien-aimés. C'est prospérité matérielle ou non, bon Dieu, qui dépend de prospérité spirituelle. Bon Dieu, ce n'est pas son bail qui va le faire, bon Dieu, bénir. Alors, comme c'est comme ça, il y a enseigné de Yahweh. Mais ce n'est pas comme ça que Christ enseigne. Christ dit, c'est pour chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Après ça, l'autre bagaille a bien après. Parce que Christ connaît, au besoin de corps pour fonctionner, des fois il y a des maladies qui ont saccagé, des fois il y a des problèmes qui ont traversé. Mais Christ veut reconnaître que l'homme vient dans l'évangile, ce n'est pas ça qui est priorité. Ou pas venir joindre le Seigneur pour capable bénir matériellement, ou venir pour capable guérir, ou bien non, le Seigneur est capable de faire ça, yo, mais ça le blé, ni blé, c'est pour capable de chercher le royaume en premier. Voilà pourquoi le Seigneur te baille parole ça, il te dit que si vous demeurez dans moi, et que parole moi demeure dans vous-même, à ce moment-là, demandez sauvé et ça, il va accomplir. Autrement, bénédiction matérielle, nom de Dieu, il dépend des relations avec le Seigneur. Il dépend de l'état de santé spirituel. Il dépend de bonne marche qu'on gagne avec le Seigneur. Mais il ne dépend pas de quantité, ça qu'on baille. Parce que ça, vous le dites, c'est dans le domaine maléfique qui est lié. C'est Kabokol et qui est lié, là on dit, mais il a un mais on garde. Donc, il n'est pas comme ça, non, bon Dieu. Non, bon Dieu, il n'est pas mesure sans contribuer, c'est mesure bénédiction, non, bon Dieu, il n'est pas comme ça. Non, bon Dieu, c'est mesure parole, mesure l'évangile qui est au Ganda, non, pas vrai, mais maintenant, c'est mesure bénédiction que le Seigneur a déversé sur vous. Et il dit que l'Éternel approuve la voie des justes, et bien la mettez à disposition même les méchants. Donc, premier bagage qui dit, c'est chercher le royaume, mon Dieu, avec justice, mon Dieu, et l'autre bagage, il va venir après. Donc, Jean dit avec le bien-aimé Garius, et bien, même Jean, moins ouais, non, mon en santé. Pas vrai? Eh bien, l'a souhaité aussi pour le Seigneur faire aussi pour capable prospérer à tous égards. Même Jean non, mon prospérer. Moi, je veux dire, je viens de dire, hein? L'église primitive, non, mon yo te prospérer. Les apôtres de Christ, hein, t'es toujours prêché et ils mettaient en phase, hein, sous la bénédiction spirituelle.
Moi, songez dans l'aide que Paul t'a adressée à l'église de Fès, parce que dans le petit temps que nous avons matin, nous avons considéré et quelques versets en tant qu'enseignement. Donc, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, Paul dit que, à l'église de Fès, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, même le matin, bien-aimé, l'Église qui déploie l'essence, le jour de la Pentecôte avec les apôtres, ils ont été en phase sous bénédiction spirituelle. Parce que maintenant, avant de quitter la terre, l'idée dit, yo, pas amasser richesse sous la terre. Côté voler, capable voler. Côté rouille, capable atteindre. Il dit amasser trésor dans le ciel. Côté voler, pas qu'à voler. Côté rouille, pas qu'à atteindre. Christ est toujours enseigné l'église à ça. Voilà pourquoi l'église la prend naissance. Où est tout leader qui vient dans l'église à yo mette en phase sous bénédiction spirituelle. Yo mette en phase comment on l'église veut marcher. Yo mette en phase sous état santé spirituelle l'église là. La Bible dit que dans Actes chapitre 19, Paul rencontré avec 12 disciples. Li pa mande yo qui côté yo marché. Li pa mande yo qui est-ce qui pasteur yo. Parce que les apôtres gagnent un bagage fondamental pour yo. Première question Paul posait monsieur yo, malgré le reste des disciples, li reste c'est des bien-aimés. Mais première question li posé yo, li dit yo, est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? Et on dit, Paul, prédicateur qui te prêche nous, pas de parler bah, comme ça. Après, Paul dit, qui baptême ou te baptisé? Donc, moi, pour garantir, bien aimé dans le Seigneur, il y a un leader dans la rencontre au monde, à un Bible, je ne dis pas, il pas poser la question ça. Là, tout simplement, inviter le vin l'église. Là, simplement, inviter le nous réveil. Mais il ne peut pas questionner sous baptême Saint-Esprit. Il ne peut pas questionner sous baptême d'eau. Parce que ce n'est pas ça qui intéresse les gens aujourd'hui. Il y a tout simplement besoin de monde pour mettre en dans l'assemblée. Mais dans l'église primitive, ce n'est pas comme ça que il y a des mettre en phase sous santé spirituelle mounio. Pour certains que la vérité prend place, la vérité a prend place en dans nan moun yo. Je ne veux pas dire, ça m'a dit, je ne veux pas dire, n'a vive yon situation cruciale. N'a vive yon situation, et moi béni nos bon Dieu, parce que bon bon, moi je déjà connais déjà, en dans système nan, bon bon bah qui va marcher. Mais en fait, hein, à la suite des événements passés, il y a un bien-aimé qui voyageait, qui t'a chanté. Eh bien, on sentit que il y a un balai qui vide ce système-là. Il y a tout à mettre cacachat de yon. Il y a tout à dévoiler que c'est un pile de caprice de l'évangile, c'est l'ougarouille. Un pile de caprice de l'évangile, moi-même, je la connais, majorité de yon, c'est nè qui marié, divorcé, et remarié encore. Et n'est-ce presque voulait retirer pas ça dans la Bible là. Côté, bon Dieu, lui compte bagay ça. Au côté son fierté, je vous dis, les nègres dit, au point, c'est pas avec de l'amour aux yeux, lui dit, mais son fierté lié dans le monde évangélique là, pour dire que lui était marié, lui divorcé, lui remarié, on prend, et lui encourage le monde, on prend, pas, l'on a un problème, pas prier bon Dieu, pas chercher bon Dieu, pas inviter bon Dieu dans le bagage là. On prend pas un grain dans le monde. On prend, fille pas capable de quitter mon autre, garçon pas capable de quitter mon autre. Parle-moi de mon Dieu pour changer. Donc, c'est comme ça, nous, ouais, leader qui n'a pas de évangélique là, c'est ça qui a prêché. Et ça va nous, ouais, état santé spirituel, mon Dieu,
les gens ont dit. Alors, comme je dis que moi-même, je ne suis pas étonné de ce qui a passé, je ne vous dis pas, et surtout pour nous autres qui habitent aux États-Unis, qui quittent Haïti, parce que des bons monde qui quittent Haïti, tu as servi mon Dieu, depuis le traverser dans le pays développé, c'est boisser, c'est boisser. C'est comme les vins boissés, on prend les vins boissés non seulement pour le vivre, les vins boissés pour le gagner, les vins boissés pour le faire bien Haïti, on prend les affaires non pas intéressées encore. Affaires de prospérité de l'âme, bénédiction spirituelle, bagaille ça, il n'y a pas parlé de ça encore. Et je vais suivre un bien-aimé qui a parlé dans la vidéo. Il dit que, alors tout le monde, il n'y a pas mon cap de dire, il dit, là, le prêcher dans l'église au pasteur, pasteur a ras les oreilles, il dit, pas prêcher parole, mais ça encore, parce qu'il y a une bille pour le payer. Donc, c'est prêcher bénédiction matérielle, la prospérité matérielle. Ça n'est pas étonnant. Nous vivons dans l'époque, ça. Et moi, je vais vous dire, pour le pied tout petit avec vous, dans l'église de la Odyssée, il y a un bagage crise et il y a un petit temps pour nous capables d'expliquer tout bien aimé, qu'à regarder nous dans la vidéo, dans le moment ça. Lorsque nous tournons dans l'église de la Odyssée, c'est Apocalypse, pas vrai? Dans Apocalypse, chapitre 3, regardez un bagage. Apocalypse 3, nous ne pas oublier tout bagage. Mais ça, l'Église l'a dit. Il dit que, Apocalypse 3, verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18 l'a dit, Christ dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Bien-aimé frère avec ce capsule, non? Moi, qu'on est au cas habitué dans le monde qui a parlé de l'église de la Odyssée, de l'église Philadelphie, et de suite ensuite. Mais, sous ça que moi, je voulais ouvrir les yeux au matin, malgré ce que nous n'avons pas étudié cette église de la séminaire, ça me voulait ouvrir les yeux, c'est que dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 20, nous ne pouvons pas on ne peut pas verser avec nous. Parce que Jean de Wey est un personnage et il a une voix derrière, l'elle virée, il y a sept chandeliers et il y a un monde qui campait dans ces sept chandeliers. Mais verset que moi je voulais attirer l'attention, pas vrai? Mais ça, il dit Jean, dans verset 20, il dit Jean que le mystère des sept étoiles que tu as vues, dans ma main droite, c'est le Seigneur qui a parlé à Jean. Il dit, mystère ça, où est, non mais, mystère cette étoile ça, où est qui est dans ma main droite, rien, et mystère cette chandelier d'or, c'est, il dit, cette étoile, c'est sept anges qui sont dans cette église, et cette chandelier, c'est les sept églises. Tenez bien, oui, bien aimé. Pour le monde, les étudiants avec vous, les apôtres de l'église, la Odyssée, Philadelphie, nous voyons pile parce que les apôtres ils ont fait historique de la ville. Ils ont dit, bon, la Odyssée, c'est une ville qui a en superficie et 100 km², qui a gagné une population de combien d'habitants, et qui a gagné tel bagage, qui a gagné tel bagage. Mais si c'est qu'on s'est allié, mais ça va au mystère encore. Pas vrai? Parce que Christ dit que, Christ dit à Jean, sept chandeliers sont mystérieux. Sept étoiles sont mystérieux.
Moi, je veux dire que yon mystère, yon défini un mystère comme étant tout bagay qui caché, comme étant tout bagay qui inaccessible à la raison et à la compréhension humaine, et qui est capable de révéler seulement par une intervention divine. Autrement, un mystère ou pas qu'à son internet pour acheter un mystère. Yon mystère ou pas qu'à acheter à l'école pour apprendre un mystère. Écrit, dit Jean, sept chandeliers sont mystérieux et sept étoiles-là sont mystérieux. Autrement dit, lors étudier les sept églises-là, ou pas qu'à tout simplement ajouter sur internet à chercher historicité ville-là. Parce que Christ ne peut pas parler ville-là de manière naturelle. Parce que à l'époque, il y a plus que cette église. Mais Christ prend un échantillonnage de cette église comme un mystère pour l'expliquer en réalité. Donc, il fait des mots où on a expliqué une église avec vous. Où elle commence à faire historique. Il n'y a pas de chance pour passer à côté. Parce que ce n'est pas un laodice naturel qui a parlé là. Ce n'est pas un smin spirituel qui a parlé là. C'est pas un Éphèse naturel Christ a parlé là. Mais Christ a parlé au mystère. Et cette église-là, sans que nous ne pouvons pas faire entrer dans le détail, il a expliqué l'église Christ-là dès sa naissance jusqu'à son enlèvement. Vous voyez? Donc, l'église d'Éphèse, c'était une phase dans l'église Christ-là. Nous te capable dire c'est l'église là dans commencement l'église apostolique qui t'a commencé avec force qui t'a commencé avec puissance que le Seigneur t'a retrouvé dans l'église là mais dans fin ni qui t'a pas connait quelques petits bagages sorti dans Éphèse ou vient tomber dans l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, pour comprendre bien l'obran dans Hébreu chapitre 10, verset 32 à 34. Et où vient dans l'Apocalypse, où vient comprendre l'église de Smyrne. Donc l'église de Smyrne, c'est une église souffrante. C'est l'église côté que ils ont commencé à prendre bien mon Dieu. Non seulement persécuter, mais prendre bien autour. C'est l'église qui a commencé à souffrir. Eh bien, lorsqu'ils alors, les Constantins viennent convertir, maintenant, les faire remettre tout le monde bien. Pas vrai? Quand y a là, ou pour sortir de l'église de Smyrne pour tomber dans l'église de Pergame, ou pour aller dans l'église pour que l'État la donne. L'État prend le contrôle. L'État vient associer avec l'église. Sortir dans l'église de Pergame, ou pour aller dans Thyatire. C'est l'église côté le pape pour le diriger sur la terre. Mon seule religion. Sorti dans l'église Thyatire, ou pour sortir, ou pour tomber dans l'église de Sardes, maintenant l'église de la réforme. Parce que pas oublié, l'église là, elle finit de former, c'était l'église catholique, l'église de Rome, qui a fait des faits sur la terre. Maintenant, il y a une réforme qui fait. Il y a une réforme qui fait. Sardes, les typifiés, l'église de la réforme. Donc, sorti en la réforme, non? Le Seigneur pour aller commencer à voir révélation. Sorti dans la réforme, non? Ou pour aller voir de l'église de Sade, ou pour aller tomber dans l'église de Philadelphie. Parce que l'église de Philadelphie sorti dans l'église de Sade. C'est monde qui était révolté contre l'église catholique, monde qui a pour aller commencer à voir l'autre pivot de révélation, l'autre pivot de vision. Le Seigneur pour aller révéler, yo, sur la sanctification, sur le baptême de l'esprit, sur le baptême de l'esprit, sur la révélation de la divinité. Eh bien, l'église de Philadelphie, l'organe de l'église de Christ dit qu'on a que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. L'église de Philadelphie, sont l'église révélée qui garde la parole du Seigneur. C'est bon Philadelphie. C'est bon Philadelphie naturelle. Son Philadelphie mystérieux qu'elle est. Donc, nous sortis de la réforme, bon Dieu fait route, l'ivoyer des hommes et des femmes qui perçaient révélation pour moi, alors qu'elle va sauver. Parce que l'évangile de la réforme, son évangile qui était révolté contre l'église catholique, pas vrai,
qui t'a valoré statut, qui t'a valoré mari, qui t'a bonne indulgence. Voyez? Donc, faute, l'église a dépassé, face à. Mais bon Dieu, voyez plus révélation dans l'église de Philadelphie. Et c'est l'église ça que le Seigneur a commencé à travailler sous lui depuis le début du 19e siècle, où est une vérité, un message qui a prêché, qui est différent des messages qui ont prêché en dedans. Et l'église de Pergame, qui c'est l'église de la réforme. Bien aimé, pas seulement parce que l'église catholique parle de monde baptisé, mais maintenant, dans l'église de la réforme, il y a un faux monde baptisé. Mais dans l'église de Philadelphie, il y a même plus de révélation comment mon lui de baptiser, il de faire conformément à la vérité. Pas oublier, Jean de dit, Gaïrus, lui félicite pour vérité. Jean de dit, content de le si mon a marché dans la vérité. Parce que, ou quand servir le Seigneur, ou quand servir le bon Dieu, nous pas dans la vérité. Parce qu'à l'époque des gens, Jean ou un monde qui a fait le bon Dieu, mais qui n'est pas dans la vérité. Donc, l'église de Philadelphie, son mystère que lié, sont l'église qui le Seigneur a révélé parole. Parce que le Seigneur a dit, parce que tu as gardé ma parole, moi aussi, je te garderai à l'heure de la tribulation qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. Mais pendant que le Seigneur voyait une révélation en plus hein, des mondes qui sont en dans réforme, le Seigneur fait route, vit une dernière église qui paraît à côté de Philadelphie, il y aurait l'église de la Odyssée, qui commençait depuis le commencement 20e siècle, qui a prêché l'évangile de prospérité. Là où c'est dit, mais ce n'a plus encore, là où c'est dit, Christ dit à la Odyssée, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi. C'est ça qu'a parlé en fait dans sa bien-aimée. C'est ça nous relève l'âge de l'église de la Odyssée. Quelqu'un qui dit la Odyssée, c'est l'église 20 ans. Nous dit, écoutez, mais si la Odyssée dans l'église 20 ans, alors que Christ parle dans l'église là, alors que Christ parle en un qui bon dans la Odyssée, mais comment pour l'église à l'enlèvement? Non, nous dit la Odyssée, c'est une réalité qu'elle est dans 20 ans, mais elle n'est pas l'église 20 ans. Parce que l'église 20 ans, bon, il est avec vous. Rapide. Dans Ephésiens chapitre 5, et on a fait ça rapide. Hein. Dans Ephésiens 5, sans moi avoir besoin de connaître, bien aimé, ou même qu'à suivre le Seigneur, malgré où est-ce qu'on peut être bagaille mal qu'à passer. Nous, on a fait dans ça, grand pile sur qu'on a dévoilé sur monsieur. Mais sans besoin de connaître. Mais qui l'église Christ a venu chercher. Dans Ephésiens, chapitre 5, versets 26 et 27, mais la Bible a dit, afin de la sanctifier, alors verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Gloire à Dieu, parce que Philadelphie est qui met la parole là. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est l'église ça qui a fait l'épouse. C'est l'église ça qui a fait l'enlèvement. Est-ce qu'on voit image là où on dit c'est dans l'église ça? Non. Pas vrai. Son l'église, Christ dit que Christ parle à un de bon la caille. Son l'église qui a prêché la prospérité, son l'église qui a prêché la richesse matérielle, son l'église qui a dit fort, on prend plus ou pas plus ou béni, son l'église qu'on sait que la Odyssée. Son l'église qu'on dit que tout l'idée a changé en Michio, pour y'a en pile l'argent, on prend pour y'a capable, donc, faire, on sait les bagailles pour yeux, pour capable frapper, si tu regardes les gens. Donc, c'est ça l'église de la Odyssée, pas vrai? Alors que l'église Christ a venu chercher, nous plus retrouver en dans Philadelphie. Nous plus retrouver Ephésiens 5,
verset 25 à 27 en dans Philadelphie. Mais nous pas retrouvé en dans l'église de la Odyssée. Parce que la Odyssée, moi je voulais vous connaître son apparition qui fait dans fait dans ça avant que Christ vienne chercher Philadelphie. La Odyssée prend naissance et la Odyssée a détourné les yeux mondiaux sur la sanctification. La Odyssée a détourné les yeux mondiaux, a pas prêché mondiaux pour en santé spirituelle. D'ailleurs, nous, moi, un pasteur, fait à parler dans ce maintenant, il a prêché l'évangile. Sanctification, pasteur a prêché pour l'IA, râler qu'il oublie, libérer qu'on a gagné 1000 pour le payer. Pour la prendre, monsieur, il faut arrêter en réalité la Odyssée. Parce que dans la Odyssée, c'est je suis riche et je me suis enrichi. Plus moi gagne, je n'ai jamais gagné encore. Et en dans la Odyssée pas de sanctification, la Odyssée malheureux, la Odyssée misérable, la Odyssée pauvre et la Odyssée aveugle et nu. Chaque ça où est Christ mentionné là, c'est un caractère spirituel lié en dans système religieux fin temps, bien aimé. En dans système là, nous sommes malheureux, nous sommes misérables, nous sommes pauvres, nous sommes aveugles, nous sommes nus. Yo ni, c'est parce que yo pa gen rad pou sou yo. Mais vrai rad pou me sou yo wa, yo pa gen. Habillement sanctification wa, yo pa gen. Yo aveugle, c'est parce que Dieu a pété. Parce que Christ est qu'on joue pharisien aveugle. C'est pas parce que pharisien ont perdu Dieu naturel yo. Mais yo pa gen yon Dieu spirituel. Gloire à Dieu, yo pa ka comprendre la parole de Dieu. Yo pa ka comprendre mystère. Ne pas comprendre révélation. La Odyssée aveugle. Et la Odyssée misérable. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça que nous connaissons. Nous vivons dans l'âge. Nous disons que la Odyssée par l'église des temps. Mais nous vivons dans l'âge de l'église de la Odyssée. Pas chercher sur Internet pour voir qui est superficiel. Pas chercher la réalité naturelle. Là. Parce que Christ dit que lui ne peut pas parler de magie naturelle, il a parlé de mystère. Lui dit que cette église où elle est, son mystère est lié. Donc, on a vu nos mystères, mais le dit là. Sans qu'en fait là, son prophétie est capable d'accomplir. C'est moi avec vous qui vous sortir dans mes temps. Donc, voilà pourquoi on dit que l'église en première saison, l'église qui était édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, l'église a été en phase sous santé spirituelle mondiale. Voilà pourquoi, nous par exemple, les Paul rencontre M. Yo, il ne parle pas des détails, mais il parle des bagages qui ont fait nous sauver. Il dit, est-ce qu'on recevoir cet esprit lors des croyants? Parce que Christ a dit, si un homme n'a pas un esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Christ a dit si vous n'avez pas besoin de baptême d'eau et baptême de l'esprit, pas de la vie éternelle. Voilà pourquoi la parole de monsieur. Première question, est-ce que nous recevons le baptême de l'esprit, monsieur? L'autre dit, prédicateur, qui a prêché l'évangile là, c'est pas responsable de prêcher. Quand Paul demandé, mais qui baptême vous recevoir? Parce que Paul a parlé des bagages qui sont fondamentales pour la vie éternelle. Mais nous mettons dans mes ennemis. L'homme est un leader. Les gens sont sur Internet. Ce n'est pas comme ça qu'on parle. Moi, bien nous, nous vivons dans un monde, frères et sœurs. Si au monde, le monde nous met en phase sur le bagage naturel. Si au monde, vous gagnez un pied qui est formel, ou qui est monté sur Internet, ou après, vous mettez qui ça pour faire pour avoir une guérison. Si vous avez un vote qui fait mal, ou qui monte, même si vous n'avez pas regardé le terreau sur Internet, mais ça qui est bon. Si vous avez ou vous avez un problème de cheveux, ou qui monte sur Internet, ou après qui choisit. Tout bagaille ou besoin d'un corps naturellement, il y a un moto comment pour manger. Si vous avez malade, mais qui mange pour manger, mais qui fruit pour boire, mais qui jus pour boire. La terre
aborde tout bagaille qui concerne le corps physique. Mais pour nous, bien-aimés, soit sur internet ou bien. Pour nous, faut nous la diriger mon côté, un bon ministère qui a prêché la vérité pour nous qui en santé. Pour nous, ou pas venir de votre côté, mais bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi pas étonné de ce qui a passé aujourd'hui. Au moins que tout le monde voit, tout le monde joue un amusement de ce qui a fait là. Tout le monde voit visage bagarre la pas clair. C'est pas gen moun ka di ah et bien gen les bagay en insérié dans l'évangile. Non bien aimé, gen pile bagay insérié dans l'évangile. Mais seulement faut bon moment privé pour le Seigneur mettre masse à tomber. Pour le Seigneur faire tout le monde ouais, le monde païen, tout le monde ouais que bagay ka fait la joie si moun gelié. C'est pour tout le monde ouais que les grimaces qu'a fait. C'est pour tout le monde ouais c'est corps qu'a boissé. C'est pour tout le monde ouais qu'il mise un corps. À ce moment-là, le Seigneur fait ça, c'est pour jouer ouvert pour qu'a chercher mon Dieu. Parce que le Seigneur dit quelque part, mes bien-aimés. L'évangile là quelque part. Même là, il a été tué à porte. Même là, il a persécuté l'église. Mais il a toujours bien la vérité quelque part. La Bible dit même là, Élie a le caché, il ne pensait pas qu'un prophète encore. Mais Dieu dit pour Élie, non, c'est wow, bah, ouais, oh, mais là. Il n'y a pas sous scène, non. Moun pas connaît, mais il y a des hommes qui ont prêché pour moi, Élie. Moun qui ont prêché la vérité, il n'y a pas de vedette. Moun qui ont prêché la vérité, il n'y a pas d'artiste. Moun qui ont prêché la vérité, moun pas connaît. Parce que l'Écrit dit que, royaume mon Dieu a son trésor qui caché dans le champ. Pour jouer le niveau, le fouiller champ. Ouais, mon Dieu, pas sur l'éternel. Ouais, mon Dieu, c'est pas. Il n'est pas venu. Dans l'écrit, il n'est pas venu pour frapper les regards. Ouais, mon Dieu, pour jouer la vérité, il faut pour son monde qui vraiment cherche mon Dieu et pour mon Dieu diriger au côté pour aller. Mais, pas quoi que ça qu'a fait là, il n'est pas reflété l'église qui là. L'église qui a sous besoin, c'est oui, Bible, pour qu'on et vous demandez mon Dieu direction. Faut vous connaître. Même Jean, ouais, je ne le dis pas. Nous, ouais, sur le plan international, nous, ouais, nation, fâchée à nation. Nous, ouais, ces âmes qui parlent. Nous, ouais, grande puissance, on prend un problème. Nous, ouais, l'autre petit pays voulait fabriquer des armes nucléaires. Sur le plan international, ou est en pile bac en fait, ça son prophétie qui est sur le plan politique. Son est en fait là, entre les grandes puissances, États-Unis, la Russie, Corée du Nord, Iran, Israël et les autres, ça c'est prophétie politique qui a pris place. Mais son est en passé dans le monde religieux, son prophétie spirituelle qui a pris place. Côté que le Seigneur a montré que n'est-ce pas que les gens ont une trop façade qui ne dit pas la vérité. Ils font même encore à dénoncer la propre tête. Voilà pourquoi ils disent dans la Bible, sortez du milieu de mon peuple. Sortez dans le mitaille. Parce que les fléaux ne peuvent pas tomber sur vous. Souhaitez dans le mitaille, fléaux ne peuvent tomber sur vous. Je le dis à les gens qui ont suivi la chaîne YouTube, ça. Le Seigneur est l'église sous terre. À monde qui a suivi nous un peu partout. Pas de nous décourager ce qu'a fait là. Parce que faut que ça lui arrive pour monde capable de prendre conscience, pour monde capable de chercher le Seigneur. Donc la Bible dit que la Odyssée, c'est une période qui est liée dans l'histoire de l'Église, mais qui pas l'Église fait tant, mais qui sont l'Église apostate. À côté de l'église qui a prêché la vérité. La Odyssée est à côté de Philadelphie. La Odyssée a évolué ensemble dans le temps ça. Dans le 21e siècle là, ensemble avec la Odyssée avec Philadelphie, ensemble là. Mais sauf que Philadelphie sont l'église qui gardait parole là. Et la Odyssée sont l'église qui croit dans richesse, qui croit dans prospérité physique.
dans la prospérité matérielle. Et quand fait mon connaît, sous besoin béni, c'est bail pour bail. Et plus vous bail, tant que vous faites la bonne, on l'a dit, plus vous bail, au lieu de béni, ou est-ce que vous bail là, cap béni. Ou est-ce que vous là, on prend, cap bâti gros bagaille. C'est vous là qui prend Haïti pour cap bâti gros hôtel pour les États-Unis qui ont un problème pour vous aller. Voyez? Donc c'est ça la contribution en fait. Même les nous qui choisissent, si vous besoin vraiment béni, Seigneur mon Dieu. Si vous besoin vraiment béni, gloire à Dieu, qui est mes paroles, mon Dieu. Si vous besoin vraiment béni, sanctifiez la vie. Car Christ dit que si parole moi demeure dans moi-même, et si demeure la parole moi, eh bien, ouais, si je ne fais pas qui choisit pour vous. C'est ça le Seigneur. Le Seigneur pas nous enrichir pour nous béni. Le Seigneur nous sanctifie parce que Abraham, il a une bonne relation avec mon Dieu et mon Dieu est béni Abraham. Gloire à Dieu. C'est comme ça que lié dans l'évangile à bien-aimé. Ça, la vie vient aujourd'hui, en dans ce système-là, c'est exactement ça, prophète Esaïe dit dans Esaïe 1er verset 6. Dans Esaïe 1er verset 6, chaque temps où il y a ce système-là, chaque temps où il y a des pasteurs qui parlent sur Facebook, sur YouTube, vous n'avez joué l'autre, vous n'avez dénigré l'autre. Il a dit, l'autre c'est l'ougaou, ou ranger micro, ou c'est baka, ou c'est l'évangile hypocrite, ou c'est ça, ou c'est cela. Eh bien, je vais aller dans Esaïe, chapitre 1er, verset 6. Ça, c'est que tu as parlé déjà. Il était fait en Israël, mais maintenant la fête en un monde religieux. Parce que nous, en Israël, c'est qu'on parle de cinq religieux. C'est qu'il y a les pharisiens. Les Sadducéens, les Hérodiens et les autres ensuite, prétendant qu'ils ont servi mon Dieu et qu'ils n'ont jamais servi mon Dieu. Et mais ça, Esaïe, mais ça, bon Dieu de voir Esaïe dire, et ça, l'actuel pour l'époque de la Bible là. Esaïe dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui ont été ni pensées, ni bandé, et ni adouci par l'huile. Parce que, pour yon ta bandé, pour yon ta adouci, faut avoir l'huile. Et l'huile là, le gon caractère spirituel. Donc, Esaïe, ouais, bon Dieu, mon Dieu, Esaïe, malgré ouais, foule religion qui est en Israël, les Sadducéens, les Pharisiens, les whatever, so well. Bon Dieu, montre que depuis dans plein pied jusqu'à la tête, tout le monde malade. Il dit, pas rien qui est en bon état. Il montre que le système religieux n'est pas en bon état. Il est malade. Pas rien qui est bon là-dedans. Et l'homme prend l'église la Odyssée, ouais, c'est même pas la crise, pas rien qui est bon dans la Odyssée. Esaïe, pour le verset 6, répond avec la Odyssée. Et la Odyssée, voulait nous que Christ va parler de ville, la Odyssée. Christ a parlé de mystère. C'est monde religieux dans le temps. Pas rien qui mort. Au mot de Christ dit que c'est vomi, il va vomir. Moun sa yon dans moucherie. Parce que yon pas ni tiède, yon pas ni bouillant. Yon seulement dit, je suis riche, je me suis enrichi. Yo seulement abdou que sou pas riche, c'est parce que ou maudit. On prend, y a poussé yo. On prend, non, sans ça. C'est l'âge de l'église de la Odyssée. Côté que Christ parle dans un de bon, et nous dit, ouais, Esaïe, t'es qui t'a prophétisé. Voilà pourquoi Jean, il était écrit avec hein, le bien-aimé Gaïus. Il dit, l'ancien à Gaïus, le bien-aimé qui est jeune de la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Jean moi un homme en bonne santé, je dis c'est pour mon Dieu aussi, voyez l'autre bagage sur tout. Jean moi que mes vérités, Jean moi marche avec le Seigneur, et puis je dis Gaïus, moi bon ça, moi, c'est comme son propre signe de jour, nous le disons pour Dieu, béni, parce que nous sommes en bonne santé. Nous le disons que si nous n'avons pas en bonne santé,
Pas occupé mon gabdou. C'est ça. C'est pas un walbay qu'a fait. Qu'a fait mon dominion. Non. Ça, c'est pas un pile. C'est non mon qui bon bonne santé. C'est parole bon Dieu pour garder. C'est parole bon Dieu qui vous dans la vie, mes bien-aimés. Donc, mais qu'on est venu dire, ça a fait. Le Seigneur t'a parlé dans Matthieu, chapitre 6. Le nom va avancer. Dans Matthieu 6, verset 22 à 23. Mais ça, Christ dit. Christ dit comme ça. Moi, avec vous, pas d'espérer en un de bon. De ça, nous, je vous dis. Non. Je ne vais pas en un de bon. Parce que si l'idée, c'est ça, n'a pas prendre de vous, je vous dis. Eh bien, système n'a pas d'accord bon vraiment. Christ dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 22 à 23, mais ça le j'ai dit, il dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton. Alors, il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grands ces ténèbres? Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois où l'église, première saison, est en bonne santé parce qu'il y a des leaders sérieux, il y a des hommes de Dieu là-dedans, qui t'absentent mon Dieu et ça va rentrer l'église en bonne santé. Parce que Bible, le Seigneur dit, depuis j'ai un bon état, corps aussi a un bon état. Il a parlé de corps, il a parlé de son église. Gloire à Dieu. Mais il dit aussi, si j'ai un mauvais état, ou pas un grand esprit. Si c'est monsieur ça, il qui a conduit l'église là. Et qui a dit de ton pasteur, ou pas qu'à espérer en rien, mais bien aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, depuis où j'ai un li en mauvais état. Le Seigneur dit, si on a veut, la pour nous aveugle. Si on a veut, la pour nous aveugle. Moun n'a pas qu'on chemin vérité. Et puis c'est lui-même qui a conduit. Comment on a appelé pour gagner la vie éternelle? Comment on a appelé? Écoutez, imaginez, nous, ouais, c'est pas mon seul. Gagne nous connaît, gagne nous pas connaît. Imaginez, on lit de campé, il dit, pas la gueule dans la fille. Pas la gueule dans la fille. De vous confie, on prend la bonne problème, c'est vous rejeter. Et puis remarier. Bon, écoutez, si vous dites ça, même les fidèles là, fille n'a pas fait rien. Même la fille n'a pas fait rien, la prend pour texte. Parce que lui-même, on a plus belle fille. Lui-même, on a plus belle fille, il crée un problème, il dit bon, m'a le fils à faire un vaisseau. M'a le fils à faire mourir. Et puis le quitter. Et très souvent, pas vrai. Bon, bon, les cas parlés, en pile là-dedans, c'est pas vrai. Les gars, jouent, on l'a plus bon gagner. Gagner qui dit, gagner qui débarque, Haïti, les gens entrés, yo, ouais, madame, yo, toi, grand monde, on prend, yo, on l'a madame. Et puis, l'autre, on a de raison, on a dit, oh, on a le monde fait des sauts. Le monde fait mourir. Donc, le Seigneur dit, si j'ai un. Si j'ai à qui place pour conduire, ou est-ce que ça l'a enseigné, ça l'a dit, pas espérant rien. C'est vous-même, matin, qui attendez nous, sous Chanel, ça, que le Seigneur nous, fuyez Babylone, et que chacun sauve sa vie. Sorti en nom Babylone, sorti en nom confusion, ça, sorti en nom Galimatia, ça, et chaque monde, parce que le jour d'après encore, nous nous demandons de Pierre, Pierre le dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous nous l'avez dit, mes amis, on fait ça pour nous faire. Et bien, bien le dit, et bien, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, des bons ministères, mon Dieu, établi dans le monde là, qui t'a prêché vérité ça. Donc, vérité, qui j'y pas qu'il y ait dans l'église Christ là. Nous, ouais, les Ananias avec Saphira, vini pour mettre mes dames dans l'église là, comment esprit bon Dieu choute yon de yon. Alors que, vous ne le dites, il y a un monde qui a fait
bagay 4 fois plus mal qu'il y a dans la ville. Gen moun men, et pas même fidèle, c'est l'idée que vous avez. Donc, c'est comme ça le monde là, c'est comme le système là. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous autres, nous avons fait effort et nous avons encouragé pour être capable d'entrer dans un état spirituel. Parce que Jean-Marie l'a dit, Christ par la parabole pharisien et publicain. La Bible dit dans la parabole là, pharisien a monté, il a commencé à prier mon Dieu, la glorifier mon Dieu, et il dit mon Dieu merci infiniment, parce qu'ils sont monde, non semaine ni jeûne de foi, encore des jeunes dans le parler. Oh, il dit mon Dieu merci, il paye la dîme. Il dit mon Dieu, il va dans le coup, il regarde et publicain, il dit vagabond, ça va pas avec lui, mon bon, son ravi, c'est que lui. Donc, il fait, pharisien a justifié parce que la paix, tout côté jeune, dans une semaine, il gêne des fois. La bloc de mon Dieu parce que il paye la dîme pour ça le bail. Mais ce n'est pas ça. Christ dit que, ou est publicain, libéré, regarde, il dit Seigneur, qu'est pitié pour moi. Il dit, crédit, publicain sorti, justifié. Parce que les pharisiens pensaient que servir bon Dieu, c'est ça la baille. Servir bon Dieu, c'est dans le jeûne qui peut aller. C'est pas ça. Voilà pourquoi je vous dis, il y a un paquet de côté. Sous besoin, on va faire assembler là pour commencer à grandir, c'est comme son jeûne. Comment sont jeunes des miracles? Comment sont jeunes des délivrances? Et le pharisien dit lui-même, c'est deux fois dans la semaine. Donc, mes bien-aimés, je voulais dire quelque chose. Je vais terminer avec un séance. Prospérité, je ne sais pas que le Seigneur a quitté ou aller. Parce que David dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ou même quand c'est bon Dieu, pape qui doit abandonner, il n'est pas quitté au pot de bol bleu, l'a aidé dans une situation difficile pour lui, l'a béni. Si nous croyons ça, l'homme malade, le Seigneur capable de guérison, l'homme en persécution, le Seigneur capable de dehors, le Seigneur capable de faire tout le pour. Mais il dit, c'est chercher pour chercher le royaume avant. C'est la vie qui vous correct avec le Seigneur. C'est vous-même qui pour, c'est la sanctification. Parce que chaque passé, le Seigneur a mis une église qui sanctifiée. Une église qui purifiée. Donc, bénédiction spirituelle, ou même cap sur nous, c'est ça qui est fondamental dans l'église Christ là. Et c'est bénédiction ça qui va le déterminer. C'est l'homme béni spirituellement. C'est les noms en santé. C'est l'homme qui parole, bon Dieu. Ou pour le maintenant, bon Dieu lui-même, il va le faire chemin avec vous. Qui le sait béni, qui le sait garder, qui le sait aider à comprendre l'enseignement, qui le sait aider pour ne pas garder ce qui a passé de Yoa. Parce que ce qui a passé de Yoa, c'est le monde religieux. Entre eux qui parlent en sérieux, mais le Seigneur quelque part, ou au mondial quelque part, que le Seigneur dit, je vais enseigner ça et passer mon dimanche, la paix mondiale. Ouais.